les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on refait une nouvelle vidéo très spéciale que je vous ai dit dans mon compte Snapchat, si vous me suivez. Hein. Alors aujourd'hui, on va faire des tomates italiennes. Moi, je considère sicilienne parce que j'ai été une fois en Sicile. Alors, c'est un Italien qui a amené à Liège, on va dire. Dans un petit magasin où il y avait des tomates et des paillettes que je pourrais vous montrer dans une autre partie. Il y aurait très certainement deux ou trois parties parce que c'est extrêmement long. Alors je vais vous montrer des tomates et puis je vais vous montrer étape par étape. Si ça vous tente, on y va. Et surtout, comme c'est une vidéo très très spéciale, mettez-moi ici maintenant un gros pouce bleu. C'est parti! Première étape, c'est pas une étape, je vous montre quand même les caisses. Première étape, je vous ai montré, on a pris 120 kg de tomates, c'est déjà énorme. C'est pas 120, c'est papa vient me dire 150 kg, voilà, j'ai 30 kg de plus, c'est pas la fin du monde. Voilà, je vais vous montrer de très près une tomate. Voilà une vraie tomate, pour moi italienne, c'est une bonne tomate, hein. Donc, parfois il faut trier les molles, ça il faut voilà, les garder à côté, et les plus bonnes, les laver, puis après, voilà, vous verrez, la deuxième étape, c'est laver chaque tomate. Vous voyez la tonne de tomates qu'il y a, c'est quand même beaucoup. Alors on y va, deuxième étape. Alors voilà, donc David va vider la jolie caisse de tomates dans les deux bacs jaunes. On va laver les tomates dans ce bac. Et l'eau, c'est ceux qui sont déjà lavés. Bon, elle est déjà pleine. Hein. Donc voilà, on est en train de vider. Donc ça, il faut bien les laver pour pas qu'elles soient sales. Il faut surtout pas qu'il y ait de terre, surtout. Comme ça, après, on pourra les égoutter dans une casserole là et après on y va. Ça va, David? Là. Ça va? Ouais. Tu es content de faire les tomates? Ouais, je suis content. Ok. Donc là, il va se rejoindre tout de suite et nous, on continue. Alors, bien sûr, tu vois, il y a un poil blanc qui passe chez le chien, mais c'est normal. Voilà, il y a une caisse de tomates, c'est quand même lourd. Voilà, il va en remettre une. Et. Alors, voyez bien, vous dites qu'elle est propre. Mais l'eau, vous voyez, en dessous, elle n'est pas propre du tout. Là, elle est propre, quoi. Mais on ne voit pas vraiment la différence. Mais là, on voit qu'il y a des taches blanches, comme là, là, là. Ben, voilà. Par contre, le temps au-dessus, c'est gris, hein. Ouais, c'est bien. Allez, on se rejoint tout de suite. Ensuite, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est qu'on a pris des pêches, des jolies pêches, donc, qui viennent là-bas aussi, voilà. Elles sont toutes belles. Boum. Et voilà. Alors nous voici maintenant la troisième étape, c'est de les sortir, on est juste là, de sortir les tomates et de les égoutter pour mettre dans la casserole et puis là, oui, il faut les trier, bien sûr qu'il y a bien sûr des pourris. Donc comme maman vient de dire, il faut bien sûr trier parce qu'il y en a qui sont pourris ou qui sont fort molles. Voilà, il faut qu'elles soient convenables. Et puis après, on les met dans la casserole et je sais plus si c'était la quatrième étape. Donc la quatrième, c'est de cuire. Les tomates dans la grosse casserole là. D'ailleurs, on sent l'odeur. Voilà. Et après, je sais plus qu'est-ce que c'était, mais voilà. Il faut laisser cuire un petit temps. Combien de temps, papa? Ça doit bouillir. Ça doit bouillir, voilà. Donc, il faut laisser que ça boue. Alors, j'ai dit, je ne sais plus. En fait, je ne sais plus combien de temps il faut les laisser dans la casserole. Hein. Sinon, je connais bien les étapes. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on est cuit maintenant. Et maman est en train de continuer parce qu'on a quand même beaucoup de kilos à faire. Et je pense qu'il commence à pleuvoir. Donc, voilà, on se rejoint tout de suite. Et il y a aussi une autre à l'intérieur, bien sûr. Alors, je sais qu'il y en a une dehors. Elle vient me dire, mais pourquoi on. Il vient de pleuvoir en fait, donc c'est pas grave. Mais voilà, il y en a une à l'intérieur, je peux pas l'ouvrir parce que je vois que ça a l'air de déborder. Donc on va laisser cette casserole-là. Et puis on se rejoint tout de suite pour la cinquième étape. Alors les amis, on était dehors et quand j'ai sorti les gouttes, elle passait bien une navette. Ça se voit vraiment, mais ce n'est pas grave, je suis en train de préparer. Si ça boue toujours, et voilà la machine pour presser en jus. On va la sortir dans quelques minutes. Alors voilà, on a pris de quoi, on a épié tout ça pour frotter les mains et là on est en train de monter notre jolie machine.
là, on a pris 3 seaux parce qu'on avait quelques seaux pétés et c'était pour les tomates. Voilà toute la machine qui est faite et le seau qui est là. Voilà, le seau est là pour mettre les déchets là-dedans. Alors, je sais qu'il faut trier parce que comme il... Papa, il croyait que c'était une averse, mais ce n'est pas une averse. C'est parce qu'il pleut pour une bonne fois et donc on va pas rentrer pour pouvoir faire les tomates. Voilà. Et d'ailleurs, je vais même pas montrer Basilie. On en a pris beaucoup. Donc, voilà. Alors, coucou les amis. Alors, je vais en arrêter là pour la première partie. Parce qu'il faudra quand même pas mal d'heures. Enfin, pas mal d'heures pour nous, parce que j'ai kiné maintenant. Donc, on va arrêter pour la première partie. Donc, je sais pas si on aura, à mon avis, ce sera max 4 parties. Désolée, mais vous aurez quand même. Les étapes, hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, la cinquième étape, c'est mixer. Mixer la tomate et tout ça. Donc, on se dit, bah, pour vous, soit à demain, à mon avis, ce sera plutôt à tout de suite. Et pour moi, ce sera dans une heure et demie, une heure. À bientôt. À tout de suite, surtout.